Alors, j'arrive les coups pipi, mais je veux juste m'assurer un truc. C'est est-ce que je suis est-ce que je suis à la bonne quête? Parce que que je risque d'être dans la merde. Enfin, la bonne quête, non, est-ce que j'ai la bonne sauvegarde? Parce qu'il y en a une en gros, c'est après, il faut que je reprenne une ancienne sauvegarde pour la barre de fer. Et je vous cache pas que je sais pas trop. Donc, ça serait bien de mettre l'image, mais j'arrive. Normalement, ça devrait être bon. Ok, bon bah, let's go les coupies. Les sas et ascenseurs sont bloqués, tout comme les ponts. Ouais, il y a la barre de Apparemment. fer. Super. Blexi, je commence même à voir des taches. Tu avais raison. Même si je parvenais à mettre la main sur les vapeurs. Merde, j'en ai peut-être consommé un peu trop. Ok. Injection dans le bureau. Cependant, je Oh putain. pense que je peux nous sortir de là. Merde, ma vie, ma vie, ma vie. Oh, je suis dans merde. Je suis dans le popo. Unagi Maki 6. Cac, il faudra que je monte ça, ça. Ouais, non, parce que là, il faut que je cogne, j'ai plus de balles. Il va m'arracher ma vie vite fait. Il y en a un autre, je crois, en plus. Non? Ok, super. Nouvel objectif, c'est cool. Ouais, non, non, attends, frère, laisse-moi tranquille. C'était la salle de contrôle du réacteur. Normalement, tous les ventilateurs marchent. D'accord. Je sais plus ce que je devais faire. Je sais juste que je vais faire ça et ça marche maintenant. Je pense que je vais me barrer. Je vais essayer de trouver une salle où je peux me faire des balles et des trucs. Ah, je peux les pirater. Baisse un peu le son. Ah, j'ai pas trop de munitions. Si je me retrouve avec un ennemi un peu trop vénère, je vais pas l'assumer. Fantôme thermique, ok, bah écoute. Est-ce que tu peux me laisser venir avant de m'attaquer? Non. Ah ouais, c'est le spell. Dernière balle. Oh, il est pas mort ce chien, pardon. Il explose pas, non. Ok, toi viens. Ça, j'ai vu, je pouvais pirater. Oh, non, il faut vraiment que j'aille trier toute ma merde. Au moins maintenant c'est plus bugué. Faudrait que je shave d'ailleurs. Voilà, au moins j'ai une trace. J'ai pas de beans comme ça. Oh merde.
J'ai pas envie de me taper. D'être full life, enfin il est resté la moitié de sa vie pour moi. Ah oui, la musique du malaise. En gros, j'avais le souci avec les ventilateurs, maintenant que les ventilos marchent, c'est super. On va s'enfuir. Mais je vais revenir après. J'aurai besoin du réacteur pour faire je sais plus quoi. Étrange. Normalement, le petit caca par terre, c'est quand il y a un ennemi qui est mort. Alors soit je l'ai tué, genre la carte elle a fait start en attendant. Alors ça j'ai toujours pas compris, ça doit s'ouvrir à un moment j'imagine, ou ça sera un raccourci. Oh, j'ai mal fouillé, ah oui bah ouais. Bah ouais bah ouais. Parce que j'ai rush forcément pour la barre de fer, donc j'ai dû rater voilà les trucs. Oh! Caisse rouge comme ça, il y a des trucs. J'ai envie d'en avoir d'autres. Ouais, il y a des salles à ouvrir. Ah ouais, non, je suis vraiment. J'ai plus le temps. Ok, c'est super que ça soit. Mais là, vous avez toujours pas ouvert, c'est ça qui me fait chier. C'est un truc de malade quand même. Je suis obligé de faire des détours de fou. Ils étaient trop nombreux. J'avais peur qu'on manque de munitions. Je pensais pas survivre à ça. Ah ouais, j'ai du poulet en fait. Ok. Je sais pas pourquoi ils reviennent pas ici parce que j'ai tout éliminé. Opérateur à l'approche. Inspection en cours. Votre combinaison est endommagée. Merci, mon brave. Hop, 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 hop. Ça, j'en ai besoin. Ok, ça m'a l'air d'être bon. Là. Votre attention. Neuromatch, je pourrais en craft 1, ça serait pas mal. Ce serait pas mal, surtout, ouais, kit de secours, je serais tranquille. J'essaie de voir 3. Des assemblées et trucs, c'est toujours ça. Ouais, non, j'avoue, ça serait bien finalement. Au-delà du niveau 1, ça me plairait bien. Quoique, les attaques à la rive, je le fais souvent en vrai. On va peut-être faire ça. On va peut-être. Oh, je sais pas. Oh non, force physique. Ouais, non. Non, non. Y a pas un truc de l'inventaire? Plus d'espace dans l'inventaire, c'est ça qu'il faudrait que je fasse. Faudrait que je fasse du normal. Je crois que je peux pas en faire. Tout le personnel doit éviter cette zone jusqu'à ce que les réparations aient été accomplies et les vérifications de sécurité terminées. Ça peut paraître étrange venant de moi, mais je vous admire. Vous n'étiez pas obligé d'aider le chef Elazar et son équipe dans la zone de fret. Surtout quand on pense que. Enfin, quand on pense que vous comptez détruire la station. Vous leur avez donné espoir, même si ce n'est que temporaire. Voilà, je peux plus en faire, l'autre il va m'appeler. J'arrive. C'est bien ce que je craignais.
Notre chef ingénieur en neuromode, Alden Graves, a caché un coupe-circuit dans la licence des plans du neuromode. Dommage, c'était un bon ingénieur. Je pense qu'il avait des doutes à propos des composants les plus exotiques. Tu vas devoir utiliser son poste de travail. Pour réinitialiser la licence. Son bureau se trouve dans le département neuromode. Voilà. Tourelle de défense au cas où. Ok, ok, ok. Maintenant il est temps d'aller récupérer les choses que j'ai laissées. De refaire sûrement un deuxième aller-retour. Puis je vais repartir dans la zone de transit et tout. C'est dommage qu'on n'a pas le truc. Je pensais pas survivre à ça. Genre ça monte directement où sont les objets à ramasser. Parce que fou. J'étais pas sûr de ce que ça donnerait, mais le résultat me convient. Ouais. Zone sécurisée, aucun mouvement. Tiens, j'ai ici un kit de secours. Ouais, là j'ai vu que je peux ouvrir à un moment. Ok, ce côté-là c'est l'espace. Ce côté-là aussi. D'accord. On vérifie juste un truc, ok. Tourelle, ouais, je crois qu'il y en a une à réparer là. Bon bah voilà, comme ça, vous êtes en théorie tranquille. Je dis bien en théorie. Tiens, il est étrange cet objet. Hop, hop. Ok. Ça, je suis sûr, il y en avait un à ouvrir dans mes souvenirs. Alors, il y a peut-être un monstre dedans. Aïe 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 aïe. Non ? Ouais, ok. Oh, oui, oui, non, c'est bien même. Pardon. Attends, il faut que je te regène, parce que c'est une arme, elle est bien, mais elle prend du temps à recharger. Et en combat, c'est ultra chiant. Modificateur d'armes, mais je peux pas aller au-dessus. Je vais voir une des conneries sous ces palettes, genre si ça te demande la force, non. Non. Je vérifie encore. Ouais. Ah mais en vrai, dans le jeu, tu peux passer près de tellement de trucs. Non, avec un monstre, c'est sûr. Ça me semble évident. Non ? Je suis tellement habitué à être de... Tu sais, il y a des douilles dans les jeux. Je jure, il y en avait un, je me rappelle, il y avait un bouton blanc, tu... Ah, voilà. Ok, 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 ok. Il y a beaucoup de choses à faire. On ne peut pas sortir d'ici. Ouais, je pense qu'on va redémarrer le kill de trucs, comme ça je serai tranquille et je pourrai repartir dans le reste du monde et aller sauver tous les autres gens. Parce que je suis vraiment bloqué dans cette zone depuis un moment. Et j'ai plein de choses à aller faire en vrai. Parce que toutes les quêtes, c'est genre, ouais, voilà, va faire ci, va faire ça. Et je pense qu'on va faire ça, donc on va reprendre la quête. Je vais aller me débarrasser des objets en trop, parce que je pense que... Ouais, j'ai plus de place du tout. Bonjour, content de vous voir. Salut Chris. Celui qui passait jamais le salam en premier. Oh tiens, toi tu le promènes là maintenant, c'est bien. Peut-être qu'il cherche des corps. Oh non, il est plus long, je suis d'accord avec toi. Ils veulent vivre en nous comme une maladie.
suis d'accord avec toi, il est plus lent que prévu. Mais en plus là, si je veux aller sauver les gens et tout, ça va prendre le temps. Ouais, ça j'utilise jamais ça. Je l'utilisais uniquement pour la barre de fer. Ah, quoique j'aurais peut-être pas dû, non. On verra bien. Pire, je save après et puis voilà. En plus, si tu veux sauver tous les civils et tout, c'est la merde, hein, ça va prendre le temps. Des armes de pompe, ça serait bien. Ça se stack. Peut-être en avoir pour le heal. Ah ouais? Qui d'autre? Vas-y, dis-moi. Balance. Splash, il passe toujours le salam, mon premier. Eh, hey, salut, comment ça va? Je vais dire, ouais, mais Splash, c'est un clone. De toute façon, il n'existe pas. Je peux toujours pas passer par là, si? Si, ok, super. Ça, je sais toujours pas c'est quoi cette merde. Je vois bien qu'il y a une porte au-dessus, mais je peux pas. Sarah-chan. C'est vrai, c'est vrai, Sarah elle fait des entrées en scène. Tu marques un point point. Tu marques un point point. Tu m'as eu. C'est Sarah-chan, c'est normal, elle est duchesse de la punchline. A gagné son titre de noblesse en tuant des hipsters. Faut tuer 15 hipsters pour avoir le titre duc ou duchesse. Ok, donc là je vais aller au réacteur et ça va partir en cacahuétas. Mince, canon glu, j'aurais peut-être dû en faire en vrai. Donc en fait, faut que je redémarre le réacteur, comme ça j'arrive à avancer. Et je serai plus bloqué partout. Ouais, ça va s'enlever. Mais je me souviens, et elle on lui dit rien car c'est une fuite. Mais oui, t'es discriminé en tant qu'homme. T'as vu ça? Je veux supprimer par-dessus. Ouais, écraser, oui. Est-ce qu'il y a le cauchemar? Ouh, vu la musique, je pense que oui. Attendez, je suis même pas là, putain. Le cauchemar il me traque, il me fait chier le cauchemar. Bah au revoir. Un hipster. T'en as fait 10 000 fois plus. T'as fait 150 000 hipsters. Parce que je pense pas que t'as tué les populations d'Amsterdam quand même. Voilà, on va quitter. On va revenir en espérant que le cauchemar il ripop pas. Parce que le fuir c'est pas si simple en vrai. Ah non, quoi? Il me poursuit encore? C'est quoi cette merde? Ah genre il va pop là? Non! Ah, je vais vers les tourelles directes. Non, attends. Bah, je vais attendre 2 minutes, je suis désolé. C'est quoi ce bruit? Ça y est, je suis devenu parano. Ah ouais, d'accord, il me poursuit sur toutes les maps. On sait vraiment, c'était genre, ah, oh, ça y est, t'as quitté la map A. Ah, et voilà, ça me prend de la place. Charge IEM, j'utilise jamais cette merde. Ça se trouve, c'est super en vrai. C'est peut-être ça qui m'aurait aidé dans le jeu. Waouh! On va pouvoir en faire des choses. Des pales de... Ouais, de glou. Pas de glu, de glou. Chris, si tu tues Lexus, toi aussi tu seras duc. Non mais elle, c'est dans la réalité qu'elle les a tués, Chris. Elle a pris du ferme et tout. Elle sort de 5 ans de prison quand même, ça. Entre les orques poètes. Un orque poète? Ça n'existe pas, ça, non? Un orc poète. P
PNJ de Watch Dogs. J'ai eu les PNJ de Watch Dogs, ouais, GTA, je vais bien y croire. Un orc poète. Je suis curieux de savoir si il a rencontré où. Je dirais qu'il y a un truc à aller looter en face. Je vais aller faire ça le temps qu'il y ait l'histoire du cauchemar. Bref, c'est un jeu, tu penses avoir tout fouillé. Eh ben non. Tourelle. Je pense que je vais la prendre avec moi et je vais l'amener dans l'autre monde. Parce que l'autre monde, il arrête pas de me faire chier. Modificateur d'armes, en fait, ça me fait chier parce que toutes mes armes, elles sont up. Et tu peux pas les modifier. Il faut que tu sois armurier pour pouvoir modifier les points 1 au-dessus du point 1. Attends, mais j'ai un canon. Oula, oula. Grave erreur du monsieur, là. Attends, regarde bien. T'as pas une arme en plus? Ouais, l'arbalète, c'est je l'utilise jamais. C'est pour ça qu'elle est pas numérotée, j'imagine. L'ombre de la guerre? Ah ouais? Bah, putain. Un orc poète, j'aurais jamais pensé lire les deux ensemble. Moi, mes orcs préférés, j'en avais fait un article, Chris, c'est ceux de World of Warcraft. Parce que je trouve dans... Chez Tolkien, c'est très manichéen. Et j'ai bien aimé dans World of, en fait, c'est... Merde, je peux pas porter le truc. Ah non, on peut pas prendre la tourelle avec soi. Attends. On l'a déployé avec les humains. Tu m'étonnes, tu te tapes une barre de rire. Parce que par exemple, dans Warhammer 40 000, ils ont une expression, ils disent que quand ils rencontrent un... Je sais plus, en gros, quand ils ont pas de chance, ils disent qu'ils ont plus de chance de rencontrer un orc manucuré. Voilà, ça protège les humains. Allez, on repart. Et c'est pour ça que c'est un peu mes préférés, parce qu'ils sont humains, quoi, en fait. C'est des créatures, il y a des bons, des mauvais. Et c'est bien. Ah putain, un orc poète, demain, un orc hippie. Ok, on repart. Espérant que j'aurai pas de mauvaises rencontres. Ouais, la souris dans le jeu, ouais, voilà. Super! Il est pas là. Ça s'écrit s'il est là même quand il n'y a pas Sandwich. Attends, est-ce que je peux le pirater ou pas? Ouais, ouais, ouais! Voilà, comme ça tu vas être un gentil. Enfin, il faut déjà que je réussisse à faire cette merde. Quand il y en a 3. C'est Lexus. Oh Lexus, tu tombes tellement à pic. Attends, il est toujours corrompu. Mais je l'ai piraté. Mon avenir va devenir un vrai calvaire, car te voilà face à un orc qui s'exprime en vert. Putain, il me fait du slam maintenant. Grand corps malade. Tu vas bien Lexus? Et ça, je pouvais pas y aller, je me rappelle. Ça y est, je commence à comprendre un peu ce qui se passe. Chris, t'as fait un cadeau pour madame aujourd'hui? Ça y est, je peux pas y aller parce que j'ai l'autre là qui me bloque ça avec sa magie. Ce qui fait que je dois tuer le gros caca. Mais le gros caca, la porte est fermée. C'est lui. Porte non alimentée. Donc je trouve un moyen d'alimenter la porte. Nouvelle aptitude disponible. Water Treatment Facility. C'est déjà cadeau.
J'hésite à la mettre en citation. Pas donné, mais un cadeau quand même. Jamais en citation, Chris, non. Attendez, j'ai un bug, je sais pas pourquoi je vois mon curseur. Si tu veux, vas-y, je vais le faire. Je vais le faire, c'est... J'ai oublié de marquer le coup. Lexus, tu vas bien? En présent, c'est déjà un cadeau. Empoisonné. Ah, ça me fait plaisir, ça, Lexus. Lexus, c'est un brave gaillard. Oh, j'aime pas ça. Oh, j'aime pas ça. Quand le jeu, il te fait autant de cadeaux comme ça, c'est pas bon. Une tourelle et tout. Oh, ça pue, les amis. Oh, attendez, faut je crois que j'ai sauvegardé il y a 2 secondes, non? Il faut que je re-sauvegarde, là. Ça pue, ça pue. Ça pue, ça pue, ça pue. Oh, ça pue. Oh là là, les amis, ça pue. Oh, les amis. Oh, ça pue. Oh, ça schlingue. Oh, ça sent pas bon. Fourniture, je me tâte à mettre le truc de l'armurier. Oh merde, Chris s'est fait fumer. Va te mettre là, mais c'est le cauchemar hip hop, il va te déglinguer. Après, si je te mets là comme ça, oh, ça pue. Ah là, oh, ça pue. Non, ça pue de ouf. Je sais pas, t'as dit quoi, Chris, pour qu'il te dise ça en fait. Le problème, c'est que je peux pas voir, tu vois, les trucs. Pas de place pour. Ah, je peux pas te poser sur une boîte comme ça. Si, ok, parfait. Ça pue, ça pue. Faut que je remette le courant. Mais je sais pas où il est. Merde. Ils m'ont fait une musique de film d'horreur, elle m'a mis le stress. Vas-y bien. Donc je te pirate, ça dure pas longtemps en fait. Vas-y avance, je veux que la tourelle elle t'arrose. Tu peux venir ? Putain, il m'a remis le feu. Par contre, j'ai un souci avec le curseur. J'ai genre le curseur qui correspond pas à ma cible, je sais pas qu'est-ce qu'il fout là. Ah, d'accord. Je viens de comprendre. Enfin, je crois. Les escape pods, c'est pas ça qui va m'aider avec l'électricité, non? J'ai remis les réacteurs, salle de contrôle du réacteur. Comment j'ouvre cette porte? C'est ça mon problème en fait. Faut la force physique 3, non, c'est mort. Toi, tu m'as vu? Tu peux pas l'ouvrir? T'es un technopathe, non? Non?
Attendez. Ah non, force physique, j'en ai pas assez. Ça commence à devenir compliqué en vrai. Ça commence à devenir compliqué. Ça doit être dans les... Ça doit être dans les trucs au-dessus. Water plant. Water plant. La tourelle est lâchée, si j'avais pas réparé. Je répare pas cette merde, non, j'ai pas cette pièce. Ok, objectif multiple. Contrôle du réacteur, ouais. Toi, je peux te réparer, mais je sais pas si ça vaut le coup. Le caca est parti. Je pense que je vais mettre le truc d'armurier. Enfin, non, le truc qui augmente mon. Tig, parlez-moi. Nous avons un contact ennemi. Mais ils ont... auriez dû tenir votre position dans la zone de fret. J'ai pas pu, chef. Je pouvais pas laisser ces gens. Pouvez-vous rejoindre les modules d'évacuation? Négatif. Les modules ne marchent plus. C'est comme s'ils étaient coincés sur place. Seuls 4 d'entre nous sont arrivés au système de support de vie. 5. D'après le radar, Raymer est derrière vous. Négatif. Rambo. Raymer n'est plus Raymer, chef. C'est chose. Chef, l'ascenseur principal. Il marche pas. On est coincés. Oh, mon Dieu. Raymer. Raymer est ici. N'approche pas. Tig. N'approche pas. Tig. Erika, réponds. Alors j'ai gagné un objet. Qui m'a dit un code là, 6208, un truc comme ça. Mais j'ai pas eu, c'était le code de quoi? Ah c'est malin. Franchement je vais l'enlever. Genre hop, on va mettre les trucs avec les critiques, ça me plaît ça. Et on va utiliser neuromode. Alors c'est... Attends, je vais sauvegarder là. Ouais. Non, on fait sauvegarde 5. Voilà. Comme ça, si j'ai besoin des neuromodes, je sais que je prends la sauvegarde 5. Nounou, Christianis... Oh ouais. Oh, c'est bien ça, Chris. C'est bien. Ça, c'est beau. C'est Mimi. C'est ce qu'il faut, Chris. Farachan aurait fait un... Oh. Voilà. Plus de remplacement, ça fait plaisir. Y'a rien qui coûte 2 ? Si. Ouais, ça, on va faire ça comme ça. Je pourrais installer 2 puces en plus. Au boulot, Chris. Oh, oh, oh. Ok, je m'attarde dans le hall, ouais d'accord, cool. Panier d'accès maintenant. Genre je peux pas accéder en dessous là ? Bizarre. Et ça, ça m'emmène dans le couloir où j'étais. Ok. Vas-y, j'en ai assez, je te répare. Jalouse. Non, je pense qu'elle devrait être contente. Tiens, tiens, tu me poses une bonne colle là. Mais ça marche, t'as raison. Oh merde. Ça explose, voilà. Les petites couillasses.
Voilà. Oh putain! Je crois que Rambo il avait mis un piège et le piège il s'est activé quand j'étais pas là. Vous avez vu le trou noir? C'était une charge recyclante. Oh l'enfoiré, il voulait me recycler. Maintenant Rambo il est vénère. Demande de nouvel opérateur. Voilà, un petit healer, c'est toujours ça. Opérateur médical transporté. Diagnostic en cours. Bleu, écorchure, fatigue, rien de très alarmant. Essayez de vous détendre. Il n'y a pas plus en forme que vous. Ah mais je peux pas accéder à la salle du contrôle du réacteur, frérot. Sarah! Tu vas bien, Sarah? Sarah, qui est en train. Eh, t'as raison, Chris. C'est vrai que Sarah, elle aussi, elle dit pas bonjour. Enfin, elle dit pas bonjour en premier. Ah, tu vois, elle dit pas bonjour. Ouais, je vois, je vois. Et c'est vrai qu'elle, je fais pas la remarque. Je laisse Sarah chaner tranquillement et tout. Attends, le mot de passe. Je dis pas bonjour, mais. Mais, punchline. Je dis coucou. Merde, j'ai pas piratage 4. Est-ce que c'est pas le jour pour dire bonjour? Oh là là. Ah donc c'est vrai, bah pourquoi tu dis pas bon ça? T'es tranquille Sarah, tu vas bien? Chris, t'as eu la discrimination? Y'a quelqu'un d'autre là? Pas VIP ni modo. Ah parce que quand je t'ai passé modo, ça a dû enlever le VIP, on peut pas être les deux en même temps. Je suis rien, il m'a tellement fait mal. Ah je pouvais pas décontaminer, merde. Jim, ici Mariana. Je peux pas entrer. J'ai essayé de passer par le sas de la centrale électrique, mais il a l'air verrouillé. Et autre chose. J'ai vu quelque chose. Quand j'inspectais la dernière station O2. Une forme ovoïde. À peu près la taille d'un camion. Je suis pas bien sûr. Je la distinguais à peine. Ça aurait pu être des débris, de la tuyauterie qui s'est détachée. Je sais pas ce que c'était, mais ça m'a foutu la peur de ma vie. Oh, merde, je dois avoir l'air cinglé. Sarah, je te remettrai VIP, mais je sais pas que le truc. Donc il y a plus d'oxygène. Ça m'explique pas comment je vais avoir accès au réacteur, ça. En attente d'oxygénation. Parce que ça décontamine, mais ça sert à quoi de décontaminer? D'accord, ça a remis l'oxygène. Putain, j'ai gagné un mot de passe tout à l'heure, mais j'ai pas vu pourquoi. Quand j'ai vu, j'étais plus à vie, je voulais crier, mais je suis pas modo non plus. Kia! On va voir parce que ça dure pas longtemps, peut-être il faut que je cours là-bas. Parce que ça draine l'oxygène partout. Je peux pas sortir. Ça sert à quoi alors de faire ça? Peut-être pour ça qu'il y a cette sortie de merde? Ouais, mais je suis toujours Keblo parce qu'il y a l'histoire de la force. De rien, Sarah.
Au plaisir. Ok, je suis bloqué, les amis. Je suis pas bloqué. Non, disons que j'ai avancé par rapport à l'autre fois, j'ai réglé l'histoire de la barre de fer. Je vois bien que je peux décontaminer, mais je pense pas que je dois sauter là-dedans, je vais mourir. Histoire de jalousie, c'est Chris, il expliquait le cadeau qu'il avait fait à sa femme pour la Saint-Valentin. Il a acheté le même tuxedo que Jason Statham et tout. Et je disais au contraire, on dirait oh c'est choupi. Et même je disais toi tu vas dire oh, oh AWWW. Ouais, ça change rien là. Ça je peux pas y aller. Il y a quoi, il y a un truc, je vois ? Non. Ça, est-ce que je peux le réparer ou non ? Parce que combien, voilà, combien de fois il m'a fait chier ? Merde, mince, ah, pour le haut. Ouais, j'avais bien prévu. Est-ce que décontaminer me permet d'avancer ? Ça n'a pas l'air d'avoir ouvert. Ça ouais, ça c'est sûrement le technopathe qui me fait chier. Ah, c'est peut-être qu'il fallait que je fasse ça pour qu'il me le dise. D'autres spécimens sont requis. Voilà, on va tuer le technopathe bloquant le truc. Et le technopathe, maintenant que je fais ça, je peux le tuer? Non, parce que la porte ne s'ouvre pas. Est-ce que c'est avec la ventilation que je viens? Waste, l'eau. J'essaie de voir comment je peux accéder à cette salle en fait par ailleurs. Parce que soit j'arrive à réélectrocuter ce truc. Attendez, vous savez quoi? Je vais tricher. Mais après j'y pense, j'ai pas fait les modules. Ça se trouve, il y a un truc tout bête dans les modules qui peuvent m'aider? Attendez, il y a quelque chose qui me dit que je suis un abruti. J'ai le canon glu. Oh ben voilà. Oh, Streamlabs, il a bugué. Ah, parce que t'as invoqué une citation qui n'existe pas. Et j'ai eu grave peur. J'ai eu peur comme si, genre, c'était, tu sais, Terminator, comme s'il était devenu conscient et tout. Oh seigneur. Non, c'est la 553, je crois. Je pense qu'il y a une sorte de chemin en haut. Ça va me coûter de la glu. Ça m'a l'air d'être mon seul... On va commencer par là, écoute, allez. Genre, ouais, exactement ça. Oh non, la musique du Dida. Ok, comment je vais faire pour monter là maintenant? Oh, ça me plaît par contre. Ok. On va dire, on fait Schlack, Schleck, Schluck, Schlocken, Schluckin, Schluck. Je fais mes verbes irréguliers en allemand. Ah. Ça a pas l'air de marcher. Si je m'accroupis, non, il peut pas. Allez, mon pote, allez. Voilà. Ok, ça m'a l'air d'aller au bon endroit, ça. Quel bourbier. Mais Sarah, attends, je vais te mettre le message. Parce que je sais de quoi il veut parler, lui. Trop tard, Emir. Je viens de voir Sarah. Ah ouais, même le mot tard. Bah attends, je vais autoriser le mot tard.
Voilà ça, c'est ça qu'il voulait dire. Metal Gear? C'est là où je dois tuer. Oh, le gros caca. Sauvegarde 6. Sarah, remets un AO. Remets un OU. Castor, il faut que je te tue. T'es tout seul. Ok, t'as pas l'air d'avoir les kamikazes. Ok les amis. Et si je faisais d'ici comme ça. Wouah, il m'a invoqué un jeu. Oh, ma machine ne marche plus. Ma vie. Oh, il m'a fait mal. Ok, très mauvais début de combat. Comment je vais le vaincre? Derrière moi. Arsenal guerre, bah explique. Chris le hipster. Merde, il est encore vivant. Meurs frérot. Meurs. 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 Nous pour la soirée c'est environ 50 euros. Dans une soirée c'est un tuxedo, je pense 70 balles. C'est moi qui ai dit tuxedo et puis je l'avais pas précisé. 70 balles plus Sarah quand même, non? Reste chic, je dirais pour deux une centaine d'euros, donc ouais, bravo. Super. Qu'est-ce qui me poursuit là? Pas ça en vrai. Enfin, elle nous a fait le calcul. Sarah, elle a une petite société de comptabilité, Chris, si jamais t'as besoin. Oh! J'aime pas ce bruit! Il est où le cadavre du gros caca, c'est ça? Voilà. Attends, je vais bien fouiller la zone. Ah ouais, tu peux porter des trucs de malade. Bah, ça marche plus parce qu'il n'y a plus l'électricité. Oh non. Oh merde, pardon. Dans cette salle et c'est ouvert par là je crois. Le canon glu c'est la meilleure invention du jeu en fait. Ça sert normalement je... Ok. Ah il est en bas. C'est bon frérot, je suis pas là, oublie-moi. Il est par là. Sora, comment vas-tu? Sora El Kabumi.
Metal Gear est le vrai projet dans Metal Gear Solid 2. C'est vraiment les... Ouais, les patriotes, Metal Gear, en tant que des armes pour protéger. Ça va et toi, Sora? Sora, tu penses quoi de la citation 553? En vrai, celle du Tuxedo, je devrais faire la 554, je pense. Ça souffre pas par là, il y a un gros caca dedans. Ça, je sais pas comment ça se pète, ça. Non. Ça me dit pas où je peux remettre le courant, tout ça. Peut-être qu'il faut que je parte alors. Oh, ouais, là, merci Lexus. Peut-être qu'il faut que je parte. Peut-être, ouais, bah ouais, non, peut-être c'est le réacteur tout simplement que je dois réactiver. Oh, je suis bête. Merci Cynthia. Oh oui, c'est vrai, je peux pas ressortir par où je suis rentré. Merde. Merde! Dieu merci, j'ai assez de munitions glu pour me frayer un chemin. T'imagines si t'as pas assez de munitions? T'es Keblo, genre? Ouais, je suis rentré à peu près par là, parce que je le voyais de là. Sora. Ah, tu m'avais manqué, Sora. Putain, je le voyais de là. Ou alors j'étais un tuyau en dessous. Si. Après, Sora, attends, c'est quoi, je vais rajouter. Je vais rajouter pour sauver l'honneur de Chris. Voilà. Parce que sinon, il... L'industrie du jeu vidéo, ah ouais? Quel jeu qui t'a... Waouh, quel jeu qui t'a corrompu? Mais il est où mon truc? Je suis rentré... Waouh, mais je suis aveugle! Super. Donc plus de technopathes. On se veut dire qu'en théorie... Pourquoi il y a cette musique du diable? Normalement... Yes! Quel jeu a ruiné ton compte. Sarah, bravo. Des Mikaela. Attends, je vais. Ton réacteur n'était pas fréquente. Tu étais toujours dans ton atelier. Mais je peux te suivre grâce à ton bracelet et te guider. Ah, mais j'aime pas les testicules en face là. J'ai ma souris du PC qui me fait chier. Je suis désolé. Alors comment j'éteins ma souris? Non, paramètres de la souris du PC. Je suis là, je vais juste couper la souris du PC. Attends, on va voir. Ouais, non, ça s'applique à ma souris, ça. Ça doit être un terme de pad. Ouais. Alors, pad. Non. Comment je fais pour comprendre la souris du jeu? Alors, Forspoken, ah oui, c'est vrai, il vient de sortir. Hogwarts Legacy, tu dois le finir. Mais le 16, j'ai pris le Mega Collectors de Final Fantasy Turretrime, mais j'ai appris que Tales of Symphonia se remet... Ouah, ok, adieu Sora. Sora, je sais, je suis ton banquier, il va toquer chez toi, il va se battre.
Sora, tu vois les anciens jeux Pokémon là, quand t'avais genre le bon qui vient. Non, pardon, quand t'avais genre. Tu t'affrontes un autre dresseur et l'écran il fait. Il va t'arriver la même chose. Est-ce que je peux tirer par ça? Ouais, vas-y, hop là. Super, battez-vous entre vous. Alors là, explosez-vous. Attends, je sais, je vais attirer votre attention peut-être. Là, 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 il y a du bruit, il y a du bruit. Voilà, explosé. Oh putain, mais c'est pas possible. D'autres spécimens sont requis. Ah voilà, t'es occupé pour un moment en fait. Waouh! Ouais, donc j'imagine autoriser l'accès pour y aller, j'en aurais besoin. Page, ça c'est tous les gens en vie, ça. C'est les gens que je dois trouver. On va faire ça parce que c'est elle que je dois trouver là maintenant. Là. Oh non! Oui, oui. Inspection en cours. Votre combinaison fuit. Examen terminé. Attention, vous allez. Merci. Always. Ça, c'est comme les Marines américains. Sarah, quand elle vient sur le chat, elle dit Semper Fidelis, toujours fidèle. Genre, elle est là, tu vois, toujours présente, quoi. En vrai, Sora, si tu fais God of War Ragnarok, je sais que Chris il voulait faire un article, mais il sait pas comment le meubler. Je pense que je ferai des multiples interviews où je demanderai aux gens qui ont kiffé et tout. Oh, Nguyen, il va. Ouais. C'est quoi cette histoire avec le bureau de Mikaela? J'ai rempli un rapport d'incident. Je suis sûr qu'il est très bien écrit, mais j'ai pas le temps. Il faut que j'envoie une équipe de l'autre côté de la brèche. Alors c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'un trou de balle au fond d'un puits paraît plus éclairé en comparaison. La résistance de mise à la terre a grillé. Change-la, ça devrait relancer l'éclairage. Autre chose? Ouais. T'as l'air secoué. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai déjà essayé de changer la résistance hier. Et... je fais un arrêt cardiaque, là. Je sais pas si vous m'avez entendu. Et elle a fondu, c'est devenu une espèce de gelée. Ça sentait le cul griller. Bordel, là. Tu l'as pas mis dans le rapport, si? Écoute, faut que je dorme. De toute façon, j'ai fini mon quart. Peut-être que t'auras plus de chance que moi. Je n'ai pas assez de temps. Bienvenue. C'est comme ça, c'est soit t'as le temps, mais t'as pas l'argent. Soit t'as l'argent, mais t'as pas le temps. Soit t'as le temps et l'argent, mais t'es un kiwi. Ok. Ah là, c'est que t'es en prison si t'as ni le temps ni l'argent. T'as pas le temps? Ton esprit, est-ce qu'il est ailleurs?
Celui qui a le temps et l'argent, c'est un narcotrafiquant de thé. Mais tu sais que Sora, elle était narcotrafiquante, non? Ça va faire quoi? Ça regarde le roi Lennon, mais ça regarde pas mes replays. Seigneur. À l'époque. Non, j'aurais jamais le temps. Trafic, le trafic des peluches de Genshin Impact comme ça. Genre Sora elle est là comme ça dans la rue, elle te fait viens, psst, viens, viens. Une petite dodo kokaboum peluche, non, une petite cli-cli. Tiens, tiens, prends ça, tais-toi, prends ça, prends ça. Passe l'argent. Après, elle te fait chut, et tu pars. Et si jamais tu veux la balancer au flic, la peluche elle explose et tu meurs avec. Non. Ah, c'est une boîte. Putain, merde. Putain. Pardon. Elle va être mon dealer alors. Ah vas-y hein. En vrai je crois le recrute hein. Ah j'avoue tu me tiens Chris. C'est vrai, si t'es là, pourquoi ouais. T'es chier. Il est malin. C'est ce Captain. Merci ça. Un truc à tourelle. Elle est cruelle avec lui-même, cet homme. J'ai plus le temps maintenant. Oh j'avoue Sarah. Sarah avec le monde qu'il y a, personne a dit non, ils sont pas si mal que ça, t'es flat, Chris. Bande de méchants. Oh Sarah, fallait pas dire ça, non il va. C'est vas-y, il va en faire plein maintenant Sarah. Sarah elle rigole aux blagues de tout le monde sauf les miennes. Non je veux pas te pirater, non je veux pas te pirater, vas-y j'attends, je boot. Exactement. Joker, drapeau blanc. Sora, tu parles pas de Persona pour une fois en disant Joker.
Allez, tourelle. Allez, tourelle. Waouh! Allez, tourelle. Les tourelles, foutez de ma gueule ou quoi? Allez, tourelle. Voilà! Si vous les appréciez pas, faudra m'expliquer pourquoi vous revenez chaque soir. Alors. Bim. Ok, ça m'a l'air d'être sécurisé. Va être bloqué. Bon, Morgan, il va te falloir une carte d'accès de superviseur. Ah bah oui. Il y a Brooks dans la chambre de refroidissement. Elle s'en est pas tirée, mais elle a probablement sa carte sur elle. Sarah, je sais pas comment je dois le prendre. Ok, Talia Brooks, chambre de refroidissement. Essaye de me le dire après. Elle est où la chambre de refroidissement, cousine? Ok, merci. Non, c'est même pas sûr, c'est là-bas. C'est vrai ça. C'est pas le champ de refroidissement. Par contre, j'ai pas vu la salle en dessous, c'est quoi? Ok, Matt, il a gagné par rapport à Kaskiskov. Pensez pour André Rocha, Sarah. Station 6, je crois. On dirait un cahier des charges, le truc. Enfin. Genre, on dirait un codex. Ah, ça, c'est le truc au-dessus. D'accord. Ça, c'est d'où je viens. Ça, c'est là où elle est. Ça me dit. C'est quoi ça? Il y a un télépathe à 41 mètres. Il est dans l'espace. Non, il faudra vraiment que je trouve un endroit où je peux faire tout, parce que là, même si j'ai augmenté la place, ouais, ça commence à devenir chaud patatas. Ouais, comme la 514, ça. Qu'il y a un truc à réparer là, mais est-ce que je me prends un coup de jus ou non? Ouais. Ah ouais, putain, ça paye. De ouf! Ah ouais, c'est pas toi qui décide ça. C'est pas toi qui décide! Je me rappelle si je veux. Sora, t'as une idée alors pour la citation 600 ou non? Ça m'amène ailleurs là. Chambre de refroidissement. Ouais, voilà, bah oui, voilà, oui, oui, oui. Moi je suis où? Niveau 2, niveau moins 1, chambre de refroidissement. J'y étais pas du tout. Oh, sois pas désolé, Sora, t'inquiète. On en trouvera une, Sora, à immortaliser, t'inquiète. Ok, donc là, je suis là. Faut que je baisse d'un cran pour être dans la chambre de refroidissement. Coolant chamber. Ça doit être ça, non? Ah, j'ai dû me prendre, attends. Storage room, c'est là.
Coolant chamber, restaurage room n'est pas mis réacteur core. Alors est-ce qu'il y a une chambre froide plus bas là ? Parce que... Ah, il y a un truc que j'ai pas fouillé. Maintenant... Oh tiens, j'ai... Tout à l'heure j'y ai pas accès à ça. Ah mais c'est le truc que j'ai ouvert. Ça va, c'est pas bien de mettre la pression. Le prix de la peluche il a augmenté de 3% d'un coup. Non, ça c'est en dessous de la storage room. Ça c'est quoi ça? Oh là. Ça c'est des bruits dans la réalité, mais tu fais un petit poop là. Quoi? Il était pas encore mort? Merde, le petit poop il m'a tué. Ouais, c'est... Ouais, ok, c'est... Oui, oui, oui. Non, non, j'ai que 21 PV, je viens de comprendre. Je pensais que j'étais full life, moi aussi. Faire ça, parce que ça me bouffe de la place. Petite pomme. 5 fruits et légumes par jour. Bonne nuit Sarah. Ouais, ah Sarah, ah les mots, ça faisait longtemps, je l'ai pas vu Sarah. Sarah, bonne nuit, bonne partie, à la prochaine, demain c'est Genshin. Et bandile de peluche Sarah. T'inquiète, j'ai rien dit, c'est entre nous. Il y a encore un mimique, je l'entends. C'est quoi la chambre froide? Maintenant, ça c'est son lit. Okay. Quand je viens là, ça me dit qu'elle est là. Coolant chamber. Trouver une Talia dans la Coolant Chamber. Ça se trouve, c'est juste la salle où je suis, c'est la Coolant Chamber et je me prends la tête depuis tout à l'heure. Je veux juste trouver un cadavre. Les amis, j'allais me chercher des kiwis. Je pense que je vais repartir dans la salle électrique, les amis. Je pense que je vais faire ça. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, je suis ici, je trouve rien. Sarah, j'oublierai pas de te mettre VIP, je pense. Ok, mais comment je suis censé passer là? C'est ça le gros problème, quoi. Le truc il me reste d'un coup. Est-ce que je dois attendre un coup de jus et genre je passe après, je saute et je tire? Bim! Ah merde, arme déconnectée, c'était pas prévu ça. Oh punaise!
Attends, j'avais pas ça, résistance de terre ou je sais pas quoi. Est-ce que ça enlève l'électricité? Non, parce qu'il est pété de toute façon. Ah non, ça marche pas. Si je me mets sur le bureau. Ok, je peux le réparer, j'ai pas assez de pièces, d'accord. Et je vois Battle Ops, ok. Ok. Une salle en face. Oh là 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 là. Il y a un monstre. Oh, sa grand-mère. Je dis, mais. What? Genre. Parce que j'étais en train de prier du style, laisse-moi traverser et tue-moi après. Mais non. Ok, j'étais pas full. Vas-y. Déjà, voilà. Je vais être pompette, comme dirait Splash. Voilà, une banane. Des Blinirus, allez. C'est quoi cette chute? Ça va, je te jure, je sais pas. Il y en dirait qu'il continue de me faire flotter après ma mort. Ah, mais tu vas te faire électrocuter, voilà. Peut-être j'aurais passé sur les techos. Ok, on va avancer jusqu'à que j'entende des voix. Ok, et là il me raconte ses vies. Et là j'ai ralenti le truc. Est-ce qu'il a... Ouais. Wow. Je peux pas lui tirer dessus d'ici. Il est là? Non. La boîte? Non. Ok, on va rester là. Il a pas l'air d'avoir la portée pour me tirer dessus d'ici. Oh, tu me fais chier. Oh putain. Ok, ça doit charger. Tu dois avoir un cooldown. Go. Super. Il est où? Il est encore là, hein. Il fait genre. Ouf. Ça doit être tot. Ah non, c'est Kraskiskov. Duncan, les codes d'accès de la réserve de pièces détachées ont été changés lors du dernier quart. On a eu un court-circuit. La sécurité est venue redémarrer le système.
Ah, oh, d'accord, merci. Je suis peut-être pas bien placé pour ça, mais... Quoi, j'ai pas la journée. Eh ben, c'est juste qu'il y a eu une fuite sans importance et j'ai dit à Conley que nous devrions attendre les nouvelles pièces, mais... Duncan, vos concours de beat avec Conley, je m'en tamponne. Parlez-en à Brooks. Ils sont grave vulgaires dans le jeu. Jointes. Ok. Matthew, j'ai une question, disons, hypothétique à te poser. Je t'écoute. Tu peux y aller, Franco. Je t'ai vu me reluquer les fesses dans mon uniforme Transtar. Si tu veux qu'on sorte ensemble, il suffit de... Non, c'est pas ça, c'est sérieux. Sérieux et hypothétique? Eh merde. Bon, je t'écoute. Imaginons que t'aies découvert quelque chose qui relève de la haute trahison. Quelque chose de... potentiellement mortel. À tel point qu'il faudrait en avertir tout le monde. Eh ben, je te dirais d'envoyer un email. D'appeler la sécurité. Quoi? Mais ça doit être fait de façon anonyme. Merde, Manny. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai rien fait du tout. Pas encore. Bon, alors tant qu'on est dans l'hypothétique, je suppose que... Des fois, j'ai envie de crier, mais je vous jure, je peux dire. J'ai rien fait du tout. Pas encore. Bon, alors tant qu'on est dans l'hypothétique, je suppose que j'enfilerai une combi pour aller l'afficher en énorme sur l'écran de ce panneau orbital. C'est pas une mauvaise idée. Merci. Et pour ta gouverne, t'as un cul trop plat pour moi. Oh, c'est bien par là. De rien. C'est bien par là, la chambre froide. Je comprends pas. Ça doit être évident, mais c'est pas évident pour moi. Coolant chamber. Réacteur core. Le réacteur core, il est en face. Est-ce que ça serait une chambre à côté? J'ai pas fait gaffe à cause de Michaela. Ah merde, c'est vrai, tu m'écoutes sans casque. Est-ce que je peux pas aller là? J'ai besoin de la carte de la meuf qui est morte dans la chambre froide. Oh, merci Splash, 3 babysines, bel accouchement. J'ai pas compris, j'ai eu le truc de Witcher, j'étais genre, hein? Comment j'ai fait une quête dans Witcher? Là, franchement, heureusement, il n'y avait pas la cam. Parce que j'ai fait une tête. J'sais genre quoi. Ça va et toi, Splash? Putain, je ne comprends pas. Tu veux dire dommage? Dommage pourquoi? Qu'est-ce qui est dommage, ça? Non, là, ça, c'est pas la chambre froide. Merde, ça aurait pu m'aider pour l'électricité, ça, je crois. Et soy perdu, les armes. Il fait un accent d'americano, mais ça ne marche pas très bien. Ça arrive à me dire limite, c'est... Ok. Ah, c'est là où je suis. Mais je suis dans la chambre de refroidissement. D'accord. C'est la chambre de refroidissement. Pourquoi l'avoir indiqué là? Donc là, il faut que je trouve le cadavre d'une femme qui s'appelle Tania. Vu la dernière fois dans la chambre de refroidissement. Là, je trouve pas de cadavre. Enfin, d'être humain. Si jamais vous voyez un cadavre, dites-le moi. Je serais pas caché derrière une connerie comme ça. Depuis tout à l'heure je tourne, j'ai pas vu de cadavre. Après c'est au niveau moins 1, peut-être je suis encore trop haut ou trop bas. Et maman Splash, elle va bien?
7 mois, c'est beaucoup en vrai. Là, je t'aurais coûté plus cher qu'un abonnement à Picsou Magazine quand même. Dans mes trucs hypopsy. Tania! Piti piti! Ah non, il n'y a pas de cadavre. Talia déjà. J'ai cherché partout dans la salle, je vois rien. Le feu ne mène pas à un autre chemin. Le silence, si vous voulez tout dire. Putain, elle était dans le feu. Hey, un petit oiseau m'a dit que t'avais bouché une fuite de manière pas très conventionnelle il y a quelques semaines. Ah ouais? Est-ce que c'était un petit oiseau lèche-cul du nom de Krasikov? Oh punaise, j'ai cherché partout mais pas dans le feu en soi. Peut-être. Tu peux éclairer ma lanterne ? Quand j'ai fait le feu, je me suis dit peut-être qu'il y a un passage en dessous qui est caché par le feu, je sais pas. Je vais te balancer dans l'aquarium à anguilles. Aïe. Non, il y avait plus de pièces. En réserve, alors j'ai emprunté le canon glue des types des labos techniques. Ça va bien. Je tiens les pièces détachées pour réparer correctement. Compris, boss. Oh non, tiens-moi, cousine. Alerte. Réparation nécessaire. Veuillez contacter un ingénieur qualifié. Ben, ça me plaît. Oh, putain de ta mère. Pardon pour les romans. Wow. Comment j'ai prise devant le feu, t'as senti. Sarah, t'as senti les neurones qui se sont connectés. C'est quoi la douille? En un rien de temps. Pourquoi c'est terminé, n'oubliez pas de remplir le questionnaire de satisfaction. Vos commentaires nous tiennent à cœur. Ouais, comme pour mon site. Mais pourquoi Anthony, tu l'as pas soigné? Je vais aller sauver Iliana. Ah, c'est débrouillé. Super, on va pouvoir aller la voir. Ça pue. Mes excuses. Ça pue vraiment. J'ai cru que j'allais mourir. Enfin, bien plus tôt que prévu. Ce truc sortait d'où? C'était Tony? Le regard qu'il m'a lancé. Je me lèverais bien. Si mes jambes me laissaient faire. Attends, il y a le robot qui réguillerait là. Et mon système nerveux. Ne fais pas cette tête. Paraplexie, tu te souviens? Tu m'avais prévenu. Les injections sont dans mon bureau. Mais je vais aller les chercher, c'est bon. Mais les ascenseurs. J'étais sérieuse tout à l'heure. Elle va mourir avant. Je crois qu'on peut contourner le verrouillage. La salle de contrôle du réacteur. On peut tout mettre hors tension depuis là-bas. Toute la station. L'ordinateur essaiera de t'en empêcher. Ne l'écoute pas. Ensuite, prie pour que les systèmes se rétablissent quand tu redémarreras le réacteur. Ça devrait fonctionner. Non, ça va fonctionner. Vas-y. Pars. Trouver les injections dans le bureau de Mikaela. Voilà. C'est bon, meurs pas. C'est du Juna. Ok. Oh là. Thank you.
qu'est-ce qu'il nous cachait sur son ordi Nguyen? Battle Ops, ouais. Bienvenue, puis-je vous aider? J'ai vu la boîte de soins. J'étais genre, attends, quoi? C'est réellement transformé en boîte de soins? Tiens, soigne-moi, frérot. Diagnostic en cours. Bleu, écorchure, fatigue, rien de très alarmant. C'est terminé. Celle du réacteur, là, je sens que je vais être bien accueilli, les amis. Et ça me plaît pas. Ça, c'est le... Elle se souvient de vous. Elle a caché sa maladie pour travailler à bord de Talos One. Lorsque vous l'avez découvert, elle aurait pu être renvoyée sur Terre. Mais vous avez fait une exception. Je ne sais pas si cela vous rend responsable maintenant. Elle ne tiendra pas longtemps sans son traitement. À vous de voir si vous voulez l'aider. Ah bah si, je veux l'aider. Mais attends, mais pourquoi tu mets la pression comme ça? Mais je peux pas y accéder. Escroc. Parce que justement, je peux pas accéder ailleurs. Oh là là. Ouais, voilà, extérieur de... Quoi? Ça me fait une petite route. Je suis où? Moi, je suis dans le réacteur. Leur carte, elle est vraiment merdique. Ah, est-ce que c'est un truc du style je dois aller faire un grand détour maintenant? Ou est-ce que je peux réactiver le réacteur et... Oh, je le sens pas ce coup-là. Ouais, y a un mec debout, mais il peut pas me voir. Ouais, vous devrez regarder la station 554. Vous allez voir c'est quoi un homme amoureux. Final Fantasy 7 escalier, bonjour. Tu es sacrifice, aucun respect pour ses aînés. Alors ça, je remonte avec la gueule, ce qui est pas impossible en vrai. Tu sais que je suis là ou quoi? Est-ce que j'aurais assez de plus? Deux streams différents. Je dois comprendre que c'est de la trahison disgrâce que je dois lire. C'est Lexus, il t'a vendu. Il a dit qu'il t'a vu au Starbucks. Je regarde la 554. T'es encore vivant toi, non? Non. Ça m'a
fait des neuromodes là. On va augmenter un truc. Ouais, 7, ouais, c'est beaucoup quand même. Transcendance, elle dure plus longtemps. Ça serait pas mal. Après, la riff aussi. La riff, elle serait pas mal là. Parce que je l'utilise souvent. J'avoue, deux pistes supplémentaires, je dis pas non. Ouais, je vais faire ça. Réserve si j'en sais rien. Ouais, heal. Ouais, voilà. Ok, j'en ai pas beaucoup ici. Si je peux en mettre deux de plus, mais quoi. Ah merde. Non ? Ça se débloque pas ? Ah, c'est la compétence psychotronique, d'accord. Pourtant, j'aurais juré que c'était ouvert. Ah, ou peut-être parce que c'était deux fois la même. Oh, pardon. Coup critique avec les pistolets, je dis pas non. Les trucs psy, je sais pas. Je sais pas du tout. Ok, pas mal. Pas mal du tout. C'est parti mon kiki. Ouais, je pense que je vais aller tout en bas. Okay. Il meurt de quoi lui? Compliqué à savoir. Ok, ouais, ça commence à puer pour moi côté munitions. J'ai vraiment dit ça dans ce film, pourtant je l'ai vu. Ok, 10, 16, 76. 10, 16, 76. Ok. Ça va pas être aussi simple. Merde, c'est la bonne ça. Magnétosphère, alimentation des sous-stations. Magnétosphère, alimentation des sous-stations. Ok, ça doit être dans cet ordre. Merde. Alors, les trois, c'était bon. Gravité, système de. Ok, oui. D'accord, je viens de comprendre. Legacy, je pense que c'est. Initialisation du réacteur interrompu. Utilisation de l'alimentation auxiliaire. Colby, cet imbécile était censé vérifier ses partiteurs il y a une semaine. Ok, Morgan, tu vas devoir réparer ça toi-même. Ou trouver une pièce de rechange si on n'a pas de bol. D'accord. Oui, Divertor, attends.
C'est le mec qui est mort à l'ascenseur, il y avait un objet qui s'appelait comme ça. Putain, fais chier. Ah non, il y en a un là-dedans. Ça s'ouvre cette merde ou non? Parce qu'il n'y a plus d'électricité. Il va y avoir un jumpscare, je le sens. Ah, j'ai trop de trucs. Attends, on peut se faire de la place. Ah ouais, ça commence à en faire des trucs quand même. Voilà. On peut. Comment je suis censé accéder au truc si c'est éteint? On va mettre une save. Ah, j'avais pas eu le bouton à droite. Oh putain. Ça va, les petites fléchettes sont un peu utiles. Après, c'est... Non! Ouais bah non, en même temps c'est un réacteur, tu m'étonnes, c'est nucléaire. J'ai installé les partiteurs du réacteur de rechange sur le mont de charge comme demandé. J'ai demandé à Conley de les descendre quand on en aura besoin. Ok, et je vais aller chercher. Ok. Je vais changer un peu de sujet, mais vous avez vu l'actualité avec Pierre Palmade ou non? Et tous les rebondissements qu'il y a eu. Merde, c'est vrai que j'aurais pu prendre le truc. Vous avez vu le dernier rebondissement en cours ou non? Pour ceux qui sont pas au courant, Pierre Palmade il a fait un accident. Alors je crois que c'est lui qui est rentré dans une femme qui était en voiture, et lui aussi il était en voiture, elle était enceinte, elle a perdu son enfant de 6 mois. Et... Alors il y a eu un rebondissement 1, il paraît qu'il y avait deux personnes avec lui qui se sont enfuies. Alors en soi comme... Je sais pas pourquoi ils se sont enfuis, parce que comme t'es passager, y a pas... Ah ouais, tu vois que ça. Comme t'es passager, t'es... Normalement, t'es pas coupable, donc pourquoi fuir? Je dis pas quand t'es coupable, faut fuir. Drogue. Ah, tu penses que les passagers, ils avaient de la drogue ou ils s'étaient drogués? Ouais. Et même là, je sais pas, parce que le délit de fuite avec quelqu'un qui meurt, c'est ça coûte trop... Ça va, la drogue, ça coûte rien en France. Ils vont voir, ah, t'as deux trucs, tu vas te manger une JAV et puis basta. Mais, et vous savez quoi, la maison de Pierre Palmade, elle a été cambriolée, aujourd'hui. Genre, c'est chaud. À chaque fois, il y a un nouveau chapitre. Mais c'est ça qui m'a fait genre attends, je fais ça, ça commence à faire beaucoup trop d'épisodes cette histoire. Ok. Ah, c'est ça qui est radioactif. Non. Et puis t'es sous emprise de cocaïne. Ouais, non, lui, ouais, mais les deux autres personnes, je sais pas, elles sont parties. Et il y a eu trop d'histoires. Ah oui, il y a un SDF qui s'est présenté en se faisant passer pour un mec qui était avec lui, mais au final c'était pas un mec qui était avec lui. Donc à mon avis, c'est là un mec qui était vraiment avec Pierre Palmade qui a payé le SDF, lui a dit va à ma place. Mais c'est... Ah non, c'est... Une histoire de fou, mais j'ai de la peine pour la femme, là. Tu sais, ça marche? Ça a marché. Je vois que les ascenseurs et les sas sont alimentés. Mais je détecte beaucoup de surcharge et ouais. De fuite dans la chambre de refroidissement. Il va falloir pour ça. Les autres structures sont peut-être endommagées. Ah non, elle le sent sûrement. Ça veut dire qu'il y a des trucs qui vont me péter en pleine gueule. Oh, je vois. Tu as tout réinitialisé. C'est journée porte ouverte sur Talos One à présent. Malin. Dangereux, mais malin. Ça fait plaisir de voir que certaines choses n'ont pas changé.
Je ne te mettrai plus de bâtons dans les roues. Tu mérites de connaître la vérité. Toute la vérité. Viens dans mon bureau. Ok. Ah bah, toi, décidément. Morgane, c'était vous ? Je sais pas ce que c'était, mais c'était flippant. Si c'est une sorte de blague, le courant semble revenir. Ah, parce que j'ai le genre de... Ouais, on fait des blagues dans les moments comme ça. J'espère qu'il en est de même pour l'ascenseur principal. Ok, j'ai pas assez de pièces détachées. Fait. T'étais pas là, toi ? J'ai plus de munitions. Comment occuper la masse populaire avec des actualités vu que les Pélissards intéressent moins? Non, Chris. Non, pas avec l'affaire de Pierre Palmade. Si ça serait comment occuper la populace, ça serait pour moi, franchement, un truc qui pour moi était fait pour occuper la populace, mais peut-être on va dire que je suis complotiste. C'est, je sais pas si vous avez vu les histoires d'OVNI aux États-Unis, genre, ils ont abattu 4 OVNI en 8 jours, ou je sais pas quoi. L'histoire... Ça, pour moi, ouais, ça c'est genre le prix des choses augmente et tout, on nous occupe avec ce genre de conneries, oui. Clairement, genre, tiens, je ne sais pas si j'ai... alors, ils ont pas retrouvé le truc, mais ils te disent, oui, c'était un vaisseau inhabité. Non, c'est bon, ça, c'est... Ça va 2 minutes. Bah, je dirais oui, Chris, parce que... ils ont plutôt pris sa défense à Pierre Palmade, Chris. Ils ont fait oui... C'est quelqu'un, il a essayé de se désintoxiquer, c'est un bon humoriste. Je veux dire, c'est un peu méchant de ma part, hein, mais je pense qu'ils vont faire... tu verras, ils vont l'inviter à un moment, il va pleurer, il va dire « Ah, nanana, nanani », et il va s'en tirer. C'est trop injuste, des fois, la vie, quand t'es une célébrité. Genre, ça t'ouvre trop de portes. Je veux dire, toi, moi, toutes les personnes ici, on fait un accident de voiture, on tue un gosse, tôle, ça s'arrête là. Mais c'est normal, c'est comme ça que ça marche. Ouais, il est humoriste, non? Ouais, enfin, j'ai compris, peut-être, mais c'est son métier, je veux dire. Je vais mourir. Mais... Oh, il me fait chier avec ces trucs-là. Putain, il est en train de me pré-shot. C'est quoi qui m'attaque? Les Pélissards, tu veux que je t'explique, Splash? Ah, acteur! Je savais pas, frérot. Humoriste, je savais, mais acteur, non? J'ai besoin de l'autre clé pour faire exploser le vaisseau. Ouais, voilà. Comme ça, les mimiques, ils arrivent pas sur Terre. Les Pélissards, c'est une famille française. Un couple qui fait des vidéos pornographiques alors qu'ils ont 8 enfants. Et c'est leur nom de famille. Ils ont... Mais c'est genre Splash, ils font des films dans leur maison. Et dans le film, tu peux voir la photo des gosses ou ce genre de truc. Et ils vont souvent dans les médias. Le fils aîné, il a 15 ans, il est dépressif. Et ils ont fait tout ça pour 28 000 ou 26 000 euros en plus. C'est une famille de la télé-réalité. Ah bon, ils ont fait de la télé-réalité avant, Chris? Ah, je savais pas c'était quoi le scandale. C'est quoi côté récit? Il a déjà fait un accident sous l'emprise de la drogue, Alexus? Ça, j'étais pas au courant, ça, tu vois. Ah ouais, bah ça, normalement, pouf, ça coûte double, hein.
Non, il n'y a pas les gamins qui passent dans le fond des vidéos, mais bon, en gros, t'as Jérém Star, il est allé le voir et il faisait des blagues de nul, genre à la fille. Il y avait une fille de 5 ans, elle va se servir dans le frigo, il fait ta mère, hier soir, elle a bien travaillé, genre de blague à la con, tu vois. Et après, ils sont allés chez Hanouna, donc autant dire que. J'ai plus de mots. Je sais pas si mon. Il était bien ressenti, mais. Non, parce que si tu veux, Splash, des fois, il y a des femmes, elles peuvent être prostituées ou même des hommes, mais au moins, leurs enfants, ils ont pas... Ils ont pas à en subir les frais. Ah, parce que l'autre, là, au collège, laisse tomber. J'ai vu un tweet, il était ultra vulgaire, mais il m'a fait grave la peine. En gros, il y en avait un, il avait dit, ouais, le fils, au collège, ils peuvent lui dire fils de péripatéticienne, il peut rien répondre. Mais de toute façon, Hanouna, Jérém Star, tout ça, c'est comme des maladies nosocomiales. ETK a des histoires comme ça et il saute dessus, genre. C'est fini. C'est une surinfection de l'infection. La musique, elle va me donner le dida. L'autocensure des signes. Oui, ça. Je vais faire pour remonter, moi. Peut-être l'ascenseur qui marche maintenant. Attends, je te donne de l'argent. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, si, ça nous occupe. Bah non, mais Chris, mais tu sais, il y a un moment, Chris, prix de l'œuf, prix du concentré de tomate, prix de tel fruit, prix de tout ce que tu veux. Il y a un moment, Chris, ils peuvent faire toutes les histoires qu'ils veulent. Les gens, quand ils vont avoir faim, ils vont avoir faim. Tu sais, tu vas me dire Pierre Palmade, les Pélissards, il y a un moment si j'ai faim, rien à foutre. Je suis pas autant censuré, et Sarah, t'as vu. Les escaliers sont pétés. Il va falloir que j'utilise la glu. Le problème, c'est que j'en ai pas tant que ça. Si, oh, 311, non, j'ai rien dit. Mais je suis d'accord qu'on est dans du Fahrenheit 451, quoi. T'as des conneries comme ça pour nous occuper de plus en plus. La manif, franchement, je suis pas contre, hein, loin de là, mais. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais à mai 68, je crois qu'ils avaient fait une grève générale illimitée, tout le monde. Tant qu'on fera pas ça, je pense que la situation n'avancera pas. Tu peux faire une manif un jour, loin de là, ok. J'espère aussi, mais c'est pas si sûr ça. Malheureusement, des fois, il y a des situations où il faut qu'elles pètent pour que les gens ils se bougent les fesses. Ah, je me suis équipé. Oh non, les retraites, les trucs, c'est... Tiens, ça me plaît, ça. Ok. Ouais, donc je suis encore un étage en dessous. Je vais voir s'il n'y a pas l'escalier. Mais c'est pour ça, moi, ça serait plus les ovnis en Amérique de ce côté-là, Chris. Qu'est-ce qu'il y a? Fixe-moi, il y a quoi? Oui, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Alors on s'est pas sauté? Cyril Hanouna a été condamné. D'autres spécimens sont requis. Ah ouais? J'ai vu qu'il a été condamné de 3 millions pour avoir insulté un député. Enfin, lui ou sa chaîne? C'est une bonne question ça. Oh là là. Dans quelle merde, je me suis foutu. Voilà, fous-moi le camp. Regarde avec 100 balles, je... Non, 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 mais Chris, l'essence, la bouffe, ouais, non, non, t'inquiète, moi aussi je vois bien de mon côté. C'est pour ça que quand je vois moi-même le chariot, je me dis... Ouais, mais non, tu vois. Ça va pas continuer comme ça indéfiniment.
que ça veut dire les gens qui étaient juste, c'est mort. Les gens qui n'étaient pas juste, ils sont juste. Quand je suis censé aller encore plus haut. Je vais rester sur le mur celui-là peut-être et faire comme ça. Lexus, en Belgique, le prix de la ville a augmenté aussi fortement ou non? C'est pas possible, mais il y en a combien? Ah non, le deuxième là, je l'ai pas entendu ni prévu. Sarah, guide-nous, c'est toi qui seras avec le drapeau. T'inquiète, pas besoin de se mettre à walp. Ouais, puis merde. Oh putain, je suis obligé de fuir. Vas-y, tu veux me poursuivre? Ah ouais, non, le canon cul, j'ai rien. Pourquoi tu veux faire la prise? Tu veux prendre quoi? Qu'est-ce que tu cherches, Splash? Splash, il veut la baston. Voilà, hop. Ok, je suis Keblo. Mais c'est bon, c'est bon. Je calife moi, je reviens vite fait. On est géré par des bacs à... Non, moi c'est pas des gamins de bac à sable. T'as jamais été à Disneyland? Moi, pour moi, non, les politiques Lexus, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils font semblant d'être incompétents, mais c'est juste qu'ils défendent des intérêts qui ne sont pas les nôtres, tout simplement. C'est tout, mais le côté genre, oh, je sais pas ce que je fais. Splash a dit, j'ai jamais été à Disneyland, moi, alors je négocie. Splash, comment?
Splash commence à ma tête. Ah, la réaction de Sarah, elle me broie. Pourquoi moi? T'es allé au parc Astérix au moins? Sarah, t'as dit ça en mode j'ai tu fais un article sur Smash et Disney. Qui va le lire, Sarah? Elle va me dire moi. Wow. Non, je voulais pas te pirater. La tourelle, elle a pété les plombs, c'est vénère. Vas-y, j'attends 13 secondes. Tu vas venir chaque jour le lire, Sarah? Les débats politiques en Belgique sont autre chose que sur France 2. Mais Lexus, nous aussi on a des blaireaux, si c'est dans ce sens là que tu veux dire. Non, ils font genre... Nous... Pfff, Lexus... Oh. Tu penses nous on a des vrais débats politiques? Quel que soit le parti politique, Lexus, je peux te... Ouais, putain, même erreur. Quel que soit le parti politique en France, Lexus, je peux te trouver des défauts de malade mental. Ah ouais, Splash, tu fais pas d'attraction. Entre politesse et respect, c'est quasiment inaudible. Lexus, nous aussi, c'est la cour des miracles. Nous, il crie, il tape des crises. On a un ministre de... Ouais, je vais rien dire parce que ma chaîne, elle va sauter. Mais rien que les gens qui sont au pouvoir, ils ont des soucis avec la justice, de ouf. Il est où le techno-pat, là? On va te mettre là. Il y a des gens, normalement, ils devraient être condamnés, nous, carrément. Tu vois pas le techno... Et comme par hasard, il s'est pas chier. Vas-y, bon, tant pis, au moins t'es en position. On va pas escalader. Ouais. Sarah, moi je suis jamais allé au parc Astérix. C'est qui va m'y amener, moi? C'est Splash? Bon, on va essayer de remonter cette merde. Walibi, je connais, mais c'est quoi Bellwired? Walibi, je connais, mais c'est quoi Bellwired? C'est le même principe ou c'est... Bellwired, tu sens, il est parti en Alsace, le mec. Parce que moi, tu me dis t'es allé à Bellwaer, je comprends que t'étais pas allé dans un parc d'attractions, Splash. Mais je peux pas me prononcer. Je peux pas en dire plus. Sarah, peut-être. Ça sert à quoi de réparer ça? Futuroscope. Ah si, non, ça compte. Si t'es capable d'aller jusqu'à Poitiers, pourquoi tu vas pas à Paris faire un petit Disney là? Lexus, c'est vrai ce qu'il raconte, Splash? Lexus, tout ce qui se passe en Belgique, on lui demande si c'est vrai. On va allumer la lumière parce que c'est la merde. Comment j'ai fait pour monter tout à l'heure déjà? Ah voilà. J'économise mes boules. Tiens. Putain. Dehors de la crise actuelle de l'énergie, le seuil de pauvreté de la vie actuelle 2.0 télé internet est estimé à 3 millions. Ah ouais? Ah nous, il nous met dans la merde avec l'Ukraine, Macron. Il parle un peu trop à la Russie, c'est jamais bon. On leur éclate la tête. C'est normal, attends, il vient à peine d'arriver, Mskin. Il... On était tous comme ça. Je peux aller en face, ouais, mais ça explique pas comment je remonte. Ah, c'est là-bas que j'ai tenté de remonter, ok. Et ensuite, ouais, je me suis fait agresser. Je suis agressé par l'autre qui pop, là, le second technopathe. Ok. Oh, on se détend. Non.
Je vais le mettre en citation, Chris. Comme ça, dans 20 ans, quand j'aurai 3 milliards de fans, et que Elon Musk qui sera allé sur Mars, ça encore un autre truc pour occuper les gens, ça sera cool. Ah, là, 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 il faut que j'arrive à monter. Ok. Ok. Ok, ça m'a l'air d'être bon. Prêt à découdre avec moi? Mais vous, Sarah, elle monte une révolution contre moi en fait. Merde, j'entends l'autre. Si j'entends ce qui doit pas être loin. De toute façon, je vais aller de l'autre côté. Elle en est plus très très loin. Cours, 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 cours. Il m'a vu. Ça, c'est le de il m'a vu. Ok. Cet enfoiré, il pouvait pas pop tout à l'heure. Hein. Allez, encore un peu. Non, 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 non. Oh putain de merde. Regarde ton calme. J'ai prévu, j'ai un petit livre épargne. Oh, c'est Mimi. Sarah va lâcher un AO avec 3W. Non. Allez, moi je me casse. On dirait que je suis en train de sécher l'école. Vite avant que le prof arrive. Sarah, elle a mis les mots juste pour faire le oh, pour pas me donner raison. Pour pas dire je suis très prévisible. Attention Morgane, tu as déclenché l'alarme de gaz dans la chambre de refroidissement après avoir... Ok, ça veut dire sauvegarde, tu vas te manger une explosion, tu vas mourir, frère. Sauvegarde 10. On va démarrer le réacteur. Les turbines sont refroidies à l'hydrogène. Et maintenant, elles fuient. Appuie sur la gâchette et ce sera le dernier son que tu entendras. D'accord, je peux pas tirer. Ça t'asseoir sur une grenade dégoupillée. Ou pire. Super, je vais me barrer dans l'espace. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir te soigner. Ah ouais? Elle avait quel âge à cette époque, Sarah? Petit Bibi-chan. Ouais, c'est mes futurs viewers. C'est grâce à eux que je vais passer au-dessus. Microgravité détectée. Super. Non, pas super. Attends, mais c'est pas dans l'extérieur. Attends, on va faire ça. On va aller sauver la femme là, parce que je sens qu'elle va calmer ses battements, elle. Hop là, ouais, c'est ça qu'on va suivre. Ça, voilà, je veux plus le suivre. Je vais suivre que ça maintenant. Ok, ok, on a deux routes. Attends, c'est quoi ça, l'injection? Genre, j'ai un temps limité pour les ramener? C'est un temps ou une disposition? Je comprends pas. Ah non, c'est vraiment, ils m'ont mis un chrono, genre. Oh! Attends, je comprends pas. Il est à l'intérieur d'un truc? Oh non, les testicules, elles reviennent.
Ah, oh, Alexis, t'es tentant. T'entends, Lexus. Ouais, ouais, j'ai compris qu'il y avait les ennemis, mais je les vois pas. Bah oui. Sinon, c'est pas drôle. Ok, je vais te ramener tes injections, cousine. Non. Ok, j'ai les injections. Je vais te les ramener. Tu les as, n'est-ce pas? Parfois, tu me rends vraiment dingue. Tu ne m'écoutes jamais. Oh, mais je vais pas te laisser mourir, cousine. Attends. On va s'en tirer tous ensemble. On va mourir tous ensemble. Mon main, ensemble. Oh, c'est trop mimi, Chris. Vas-y, ça splash, rajoute ça en citation. C'est là d'où je venais, ça? Attends, attends. Oh non, ça a l'air d'être là d'où je venais. Laboratoire technique, j'étais pas dans les labos techniques, moi. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Ouais, voilà, voilà, ben voilà le jeu, qu'est-ce que tu m'inventes aussi? Il reste 1h29 pour sauver la petite dame et tu me fais faire des détours. Qu'est-ce que c'est ces histoires? Chris. Il pourrait m'être fort utile avec votre permission, Morgan. J'attends que l'appel y fasse. Il a travaillé sur place, Dr. Igwe, et a fabriqué tout ce qui pourrait aider Morgan à contenir les typhoons. Je resterai dans votre bureau jusqu'à votre retour, Morgan. Je vous serai peut-être utile. Ok. On va sauver la Russe. J'aurais créé un monstre. Un pixel junior. Et Madame Pixel, elle va bien depuis le temps? Intermètre. Voilà, meurs pas. Prends ton insuline. Oh merde, Morgan. Je suis décidément pas au bout de mes surprises avec toi. S'il te plaît, dans ma nuque, essaye de trouver les marques. C'était plus difficile quand je le faisais moi-même. Oh putain, la piqûre. Putain, c'est bon, j'arrive à respirer. Ça sert à quand tu lui donnes un donut. Et à sentir mes jambes. Ça sert à quand elle mange un donut, toujours ça y est. Quelques taches devant mes yeux. Mais elles devraient bientôt disparaître. Merci, Morgan. De rien. Tu veux pas rejoindre les autres survivants? Joli travail, Morgan. Tu ferais un bon stagiaire. Pourquoi la porte, elle s'est ouverte? Va à l'ascenseur. Mais attention. On ne sait pas ce qui pourrait s'y trouver. Je te suivrai dès que possible. On se retrouve dans ton bureau. D'accord, super. Donc c'est-à-dire en gros tu vas te déplacer toute seule à un moment. Pourquoi la porte elle s'est ouverte? Je me sens mieux. Encore quelques taches devant les yeux, mais je commence à retrouver des sensations dans les jambes. Oh, toutes les sensations. Ok, bah vu que t'as l'air d'être vivante, je vais faire une quête, Ikeller. Ok. Y a moyen si on le trouve vite. Est-ce que ça m'indique un endroit ou non? Yul Cuisto.
Enfin, ça, je veux pas le faire. Je sais pas pourquoi ils m'ont dit. Tuer le faux cuistot. Ouais, voilà, mais est-ce qu'on sait où il est? Diagnostic en cours. Qui m'appelle? Vas-y, décidez. Je me demandais comment vous réagiriez en trouvant Mikaïla. Vous avez risqué votre vie pour l'aider. Ça me laisse penser que l'extraction de neuromones n'a pas tout effacé. Pas totalement. Peut-être que les souvenirs les plus vivaces laissent des impressions résiduelles. Des formes de réminiscence. Ou peut-être possédez-vous plus d'empathie que je ne croyais. Êtes-vous certain qu'il n'aurait pas mieux valu... Sans vouloir être insensible, j'ai peur que sa réaction ne soit démesurée quand elle apprendra que vous désirez détruire Talos One. Après tout, il n'y a aucun moyen d'évacuation. Ouais, mais je peux pas laisser les trucs aller sur Terre. Ouais, non, il doit y avoir un moyen, avec tous les scientifiques, tous les trucs qu'il y a dans l'espace, ils peuvent pas s'inventer un module, littéralement. Non, franchement, non, c'est une vraie question. Ils sont dans une gigantesque station, il y a moyen de se faire un module, ils se barrent, et on explose le truc. Puis ça va, si je le fais pas exploser tout de suite, ils ont le temps. Bon, le faux cuistot, ça m'indique où je dois aller ou non? Non. Appartement psychotronique, je sais que j'ai des trucs à faire. Y'a pas un genre Arboretum, c'est là où il me parle, mais je sens que je vais faire le jeu. Vous avez un seul homme, pourquoi je dis ça? Parce que je regardais en fait un match de foot avec l'Allemagne. À l'époque, il y avait un joueur qui s'appelait... Merde, je sais même plus comment il s'appelait. Il s'appelait pas Beckham. Balak, il s'appelait. Et les commentateurs m'ont tué, parce que pendant le match... Tu sais, tu peux dire, l'équipe d'Allemagne s'est levée comme un seul homme, genre ils se sont tous battus ensemble, ok. Mais ils ont dit... Balak s'est levé comme un seul homme. Et ça m'a marqué cette phrase. Parce que tu me dis l'équipe d'Allemagne s'est levée comme un seul homme. Genre, tu sais, ils se sont tous levés ensemble pour faire la défense ou j'en sais rien. Mais quand ils ont dit que le joueur Balak s'est levé comme un seul homme, le truc est resté dans mon cerveau. Putain, et merde, mon crédit là. Bureau, Morgan. C'est donc là que passe tout l'argent de Transtar. Chef Eliushin, vous êtes vivante. Igwe, vous vous en êtes tiré? Ingénieur en chef Eliushin. C'est quoi ça? Morgan, est-ce que... Non, c'est... Je suis January, l'opérateur personnel de Morgan Yu. La même voix? Tu parles d'un problème d'ego? Bon, nous sommes donc trois, enfin quatre. Y a quelqu'un d'autre des labos ou du département psychotronique? C'est le poste de travail de Morgan? Vous voyez? Le fabricateur? S'il vous plaît, chef Eliushin. Morgan, viens ici, quand tu en auras l'occasion. Les gens importants... vont dans mon bureau. À mon avis, il y a un moyen de faire qu'ils survivent tous. Je pense qu'il y a peut-être une histoire, mon héros, il meurt quand même, parce que je vais devoir exploser le réacteur. Mais il y a moyen de faire un truc, ils arrivent à tous se barrer, quoi. Ça, par contre, je sais plus. J'aimerais juste aller à un endroit où j'ai les trucs, où je fais du craft. À toute ça. Bah, je pense que c'est très con, hein. Je pense qu'ils étaient tellement impressionnés, c'était juste ça, quoi. Oh la tourelle, oh t'as gardé, super. Vous revenez de l'extérieur. Oh le cuistot. Vous avez réparé les ascenseurs, merci. Maintenant je peux me déplacer librement. Mais vous, pas vraiment. Il va me mettre des pièges partout le chien. Intéressant. Il pourrait être n'importe quoi. Oh non! Il y en a un autre. Ça parle et après ça m'éjecte dans l'espace là. Ça veut rien dire ma phrase. Oh punaise enfin. Ça va en faire de la place. Oh wow. C'est ça, je comprends pas. Ça m'oise des fois, je sais pas pourquoi. À mon avis, ils ont dit ça sans réfléchir. Non, il en valait pas plusieurs, Balak. Mais je vois ce que tu veux dire, Splash. Mais non. Crois-moi, je sais pas s'il en valait un déjà. C'est méchant. J'ai retenu ta position.
T'es là. Non, ma tourelle! Sale chien! Il est pas encore mort. Si? Si. Il y en a encore un autre ou quoi? Putain, j'ai pas assez de pièces. Ça, on va s'arranger. Ah, Chris, tu devrais avoir honte. Oh là là. Oh, Splash. Le jour où je vais tuer le cuisseau, tu me fais ça? Splash, j'ai une quête avec de la main et t'étais parti, mais je l'ai pas faite. Mais il m'a re-appelé après. Ok, pourquoi ça me dit ça? Ouais, ça, ouais. Hein. Faire les neuromodes parce que je dois aller dans le bureau d'un mec pour débloquer la sécurité de... Mais c'est ça, il me faudrait armurier. Non, ça doit être ça. Ouais, voilà, comme ça je peux faire au-dessus. Batterie, rien de mon cul. Il y a un cauchemar là. Non, là il y a un cauchemar. Ce jeu est un cauchemar. Sauvegarde 11. Voilà. Charge glu parce que ça m'a grave aidé. Ok. Je vais faux cuistot. Il est dans le département neuromode, ok. Oh là, ouais, attends, je reviens en hall. Ça, ça me plaît, ça. Ok, il y a un ennemi, j'ai pas envie. Ça se peut réparer l'armure. Demande de nouvel opérateur. Non, non, je pense pas. Ah, j'avoue, c'est la bataille finale, peut-être. Non, non, parce qu'il y a eu un tremblement de terre de malade. Mais t'es où? C'est de rejoindre le hall. Comment je le sens pas ce couloir. Oh, sa grand-mère. Oh là 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 là. On va courir. C'est la meilleure solution. Coucou. Ralenti, ça s'ouvre pas. Ah, oh, bah oui, y'a pas d'alimentation. Mais je leur dois de l'argent, c'est pas possible. Je vais mourir.
C'est le manque d'éclairage qui me fait dire quoi? J'ai dit quoi? Tu sais, Chris, je me suis rendu compte, j'ai Alzheimer. Non, vraiment, je dis des fois des trucs et je les oublie, genre, quelques secondes après. Ah, j'ai pas de point de vie, j'avais pas prévu. Il m'a vu. Merde. J'ai dit quoi, Chris? Ouais, je vais pas aller loin, y'a trop de mobs. Est-ce que je peux me craft de la vie ou non? Ok, ok, ouais, non, j'ai compris, pour les neuromodes, ça marche. J'aime pas ce couloir, ça pue. Ouais, non, 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 parce que je... J'entends des petits bruits au loin, tu vois. Et on me la fait pas, moi. Genre Splash, quand il essaie de trouver où j'habite, il fait les mêmes bruits. Si je le sens pas, je peux toujours passer par ailleurs en vrai. Bon, c'est chiant. Oh, allez. Oh non, je me suis kéblo. Pourtant, je fais bien souris. Hein. Je suis en train d'attirer l'attention. Il y en avait un, il m'a vu dans mon dos. Ok. Ah merde, il y a un truc qui m'a balancé de l'acide. D'au-dessus, il peut me tirer dessus. Fait chier parce qu'il n'y aura plus rien qui marche. Il y a un technopathe ou quoi? Ah ouais, non, si tu me pètes la glu, je vais pas pouvoir monter. On va aller là. Ça me remet l'électricité, genre. Ouais. Ouais, oh, je vais. Oh, allez. Allez, tire-moi dessus, j'arrive, j'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Soigne-moi. Il y en a encore un là, non non j'ai vu, non non viens là toi, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Oh tu me fais chier, j'ai pas envie de repartir tout là-bas. Ouais non flemme. Faut que je reste concentré. Ça c'est tout, je viens. Renzo Calvino. Ah oui, Calvas. Je me sais, Ouais. Ouais, j'ai tué un mec au-dessus.
Oh putain, l'électricité, bon. Je sais pas si j'ai assez de boîtes détachées là. Depuis le temps que ça m'a fait chier ça. Bah j'en ai pas. Non, ça c'est d'où je viens, d'accord. Non, j'ai remis l'électricité, c'est cool. Ah oui. Je l'ai buté, mais je vois pas son corps. Ouais, flemme. Je repars au hall. Tu me prends pour un con, toi. C'est ça. On approche du hall. Oh, ça date. Ça. Ah, c'est peut-être le réacteur ou c'est un cauchemar? Ouais, voilà, c'est bien. Le hall n'est pas loin. Waouh, il date lui. Il y a des gens, j'ai oublié leur existence. Erreur, ajustement de l'inclinaison requis. Je m'en souviens, j'avais pas assez de place, je les avais cachés quelque part. Fait de la musique, je vais pas chercher à savoir c'est quoi. On repart enfin dans le hall. Et dans mon bureau, ils m'attendent. Faut que je fasse gaffe, parce qu'il y a le cuistot là, il a dû mettre des pièges. Si, c'est quand je jouais à Super Mario Odyssey là, genre, et même, il y en avait plein les uns sur les autres. Je me rappelle pas qu'il y avait de la merde comme ça dans le hall, c'est pas bon. Bah tiens. Allez, parce que sinon il va me faire chier. Oh non, il faut que je recharge, j'ai utilisé mon pouvoir pour rien, je vais attendre. On va se mettre dans des conditions optimales, je pense. Pudding aux bananes Helios. Y'a pas les trucs que je voulais montrer à Sarah là, Unagi? Oh dommage. Il m'a vu ou quoi? Il m'a senti. Il y en a un deuxième. Oh, y'a deux télépathes. Oh putain. Oh, ça fait mal. Oh, ça me pète les vitres. Merde. Voilà, merci de l'avoir pété, monsieur. Voilà. Deuxième, je pourrais pas le tuer comme ça. On doit aller voir d'autres monstres et tout. Faut que je recherche ma santé psy. C'est peut-être ça qui fait pop le cauchemar en vrai. Il m'a pas vu.
pas compris que je suis descendu en fait, je suis seulement allé vite pour lui. Bon après-midi, Thanos. La sécurité à bord de Thanos One est l'affaire de tous. Abonnez vos demandes d'aide ou vos questions relatives à la sécurité à transstar.com. Qui me parle? C'est quoi ça? D'accord. C'est tout. Non, non, le Dida, là, gardez-le pour vous. Je veux juste aller dans mon bureau, moi. Sarah, j'ai dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? La station, peut-être? Parce que le oula, Signe, limite, Sarah, stop, elle dit limite, limite, et je vais bien dormir. Je vais dormir comme le personnage avec les deux peluches dans son lit, là. Ah, mes anciennes tourelles. Ouais, je comprends pas. Rappelez-moi comment la dépressurisation est survenue. Morgan, j'espère que tu ne m'en veux pas, j'utilisais ton poste de travail. J'ai trouvé les matériaux qu'il vous faut pour le canon glu. J'ai pu en fabriquer plusieurs cartouches. Merci. J'ai aussi trouvé de quoi manger en chemin. J'ai laissé tout ça sur ton bureau. Merci. Ne t'inquiète pas, tout est terrien. J'ai vérifié, aucun mouvement bizarre. Ne t'inquiète pas, j'ai laissé Igwe y goûter avant. Pardon? Je plaisante. Je ne vous exposerai pas à ces aliens de mon plein gré. Ni personne d'autre, d'ailleurs. Ce serait... inhumain. Spiraler. Non, c'est pas les trucs Usagi. J'ai toujours pensé que la conscience se rapprochait plus de la musique que du calcul. Je ne t'ai jamais dit pourquoi j'avais falsifié mon dossier médical. Je sais que pendant ton sermon, quand tu me disais que j'étais égoïste, etc., je sais que tu n'avais pas l'ombre d'un doute. Mon père a été emprisonné car il a critiqué la... l'intervention soviétique en Inde. De nombreux prisonniers sont perdus dans des camps de travail sibériens. Mais mon père, lui, a complètement disparu. Ah, parce que c'est un monde où l'URSS et les États-Unis se sont alliés, en fait, pour aller dans l'espace. Dans ces camps de travail. Je suis venu là pour toi, et Alex, et vos expériences. C'est ici qu'il a été envoyé, j'en suis sûr. En fait, les celle-là... Les travaux de la division neuromode du département psychotronique. J'espérais pouvoir y accéder, mais impossible d'y entrer. Aucune trace des allées et venues des volontaires. Transstar est très... Il parle beaucoup. Méticuleux. En fait, je sais, putain, j'ai oublié certaines choses. Mais si tu tombes sur des preuves concernant mon père, ça me permettrait de tourner la page. Ok. Ouais, j'essaierai de faire ça avant d'exploser la station. Ça marche. Morgan. Je voulais dire, en gros, dans ce monde... Morgan. Putain, non, tu vas pas t'y mettre. Ok. Dans ce monde, John Fitzgerald Kennedy n'est pas mort. Et les États-Unis d'Amérique et l'Union soviétique se sont alliés pour aller faire la conquête de l'espace. C'est pour ça qu'ils ont pu aussi bien évoluer. Juste après, elle parle beaucoup. Je ferai un clip au pire ça. Vas-y, toi aussi, t'as un J'espère truc à me dire sur ton daron. Je ne regretterai pas d'avoir utilisé votre fabricateur. J'aimerais vous aider. Ah non, ok, merci. Non, elle voulait débiter, elle. Hein. Elle était là. On avait des choses à raconter. En plus, elle s'est arrêtée, je pensais qu'elle s'arrête, quoi. Non, non. Je jouis d'une autonomie supérieure aux opérateurs lambda. Le contenu de la vidéo est choquant. Seul un individu en chair et en os peut en endosser la responsabilité. Vous avez trouvé un moyen de quitter la station. Ok. J'aimerais bien avoir des neuromodes en plus. C'est quoi le truc des neuromodes? C'est ça. Ouais, c'est pas impossible, on peut y accéder d'ici. On va faire cette quête, je pense. Ça va peut-être, il est en train d'en écrire une, méfie-toi. Ouais, on va faire ça. On va peut-être dû faire des pales de pompe en vrai. D'où je viens, ça?
laboratoire technique. Attends. Non, je veux pas la clé principale d'Alex, je veux ça. Département neuromode. Voilà, donc c'est pas du tout par là. Ah ouais, on va l'opposer. On a le temps de pas. Oh Alexis. J'avais oublié que les fenêtres étaient pétées. Petite canette là. Beer duck. Sarah, tu peux attendre. Sarah, je m'arrête vraiment dans un quart d'heure, grand max. Genre, si tu peux attendre, attends. Si tu veux pas, bonne nuit, Sarah, dors bien. Ah, mais maintenant j'ai des trucs pour la glu, pour aller en haut. Je rappelle, c'était au tout début du jeu, j'étais kiblo ici. Ouais. J'arrive toi, attends que je pirate. Cogner. Tiens, mais décidément. Les gens causent beaucoup de problèmes sur Terre. Et aujourd'hui, ils jouent avec les étoiles. Et pense ne pas se brûler. Je suis bobo. Pourquoi vous avez ouvert la chambre et montré l'horizon, aiguisé, affûté, affamé. Vous vous entourez de machines, de choses. Elles ne vous protégeront pas. Elles vous mangeront aussi. Et quand elles auront fini, je prendrai votre combinaison. Je deviendrai ému. Et j'aurai accès à la navette. Et lui, plus ça avance, plus ça s'aggrave. C'est peut-être lui le boss final, frère. Ouais, ça sent le canon glu. C'est plus simple par là-bas, je pense. Attends, laissez-moi monter seulement. Voilà, t'as entendu le bruit, je sais. Voilà, coucou. Il y avait un autre. Oh putain, j'espère que c'était pas des gosses. Deux, je peux aller par là. Oh, les endroits où il y a eu les terres. Oh, les volontaires, je... Ouais, non. Hein? Non. C'est leur souci. Quartier des volontaires. Ouais, non, on va faire ça pour ce soir parce que je commence à lâcher. Ah, j'ai pas 4. Ouais, j'imagine qu'il faut réactiver les disjoncteurs à chaque fois. D'accord. Non, j'ai pas 4 en piratage. Je vais vérifier, mais. Ouais, 3 neuromodes, il m'en faut 6, je crois. Pour... Non, 8. Ah oui. La fête du slibar, les amis. Mais à mon avis, il doit y avoir quelqu'un qui doit avoir la carte, une connerie. Oh là là. Je vais peut-être m'arrêter là.
Je sens que je vais mourir et je vais m'arrêter sur ma mort. Ça aussi, c'est où? 32 victimes. Attends, quoi? Place rouge. Le mouvement menchevique, la place rouge, ouais, 32 victimes. Ouais, d'accord. Ouais, des critiques de l'URSS dans le turfu. On peut jouer? Non, on peut la porter, j'ai eu peur. Ah, carrément, il a même pas de nom. Les chiottes, toujours vérifier les chiottes. Oh putain. C'est terrible. Tu meurs et t'as même pas de nom. C'est genre t'as été désamusé mais genre totalement quoi. Reste Tanguy. Putain ça doit être... Oh là. Reste Tanguy dans des chiottes, tu le manges, mais tu... Tu vas faire un bon poupe. Un chemin... J'entends quelqu'un qui marche. Il croyait m'avoir. Bonne nuit, Chris. Je pense que je vais m'arrêter dans le noir, comme ça je vais bien flipper pour la prochaine fois. Les amis, je vous dis à demain pour du Genshin. Et je suis bien content pour Prey, parce que j'ai enfin réglé la barre de fer. Et comme ça, mardi prochain, on va tenter de faire le département neuromode. Comme ça, je vais me neuromoder. Et ensuite, le cuistot. Et si on a pu faire ça, on tentera de sauver des gens. Parce que je pense vraiment que quand je vais aller voir le frère du héros, il va se passer un truc trop important. Après, je peux me tromper, hein, mais bon. Donc, on va dire la sauvegarde 12. Portez-vous bien, les amis. Bonne nuit. Et bonne soirée. Hasta luego. Ciao. Ah, Sarah t'es revenu pile quand j'allais m'arrêter. Mais je vais aller au département neuromode, je vais essayer de trouver les trucs du daron de la russe là que j'ai sauvé. Les neuromodes, je vais essayer de les redébloquer comme ça je redébloque plein de super pouvoirs. Et parfaite côte de fin. Ouais, de ouf Sarah. Sarah, je vais te passer VIP là, juste quand je coupe. Et comme ça, on fera le custo. Mais le custo, il est vénère, hein, c'est Rambo. Il a dû me faire tellement de pièges partout. Youhou! Je vais voir le youhou demain.